et bonsoir YouTube. Bonsoir à toi YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures sur A Link Between Worlds. La dernière fois, nous avions fait deux donjons en un seul épisode YouTube, c'était incroyable. Je pensais que ça aurait duré 1h40, ça a duré juste 1h10. J'étais sur le cul, on a fait deux donjons. On a fait Thief's Town et Turtle Rock. C'était incroyable, hein, bien sûr. Et aujourd'hui, on va aller faire Desert Palace. Parce que Desert Palace va me donner, comme je l'ai dit à Twitch, les moufles du titan qui me permettront d'explorer tout Hyrule comme je le veux. Donc on va en priorité aller là-bas. Et salut YouTube! Ouais, allez-y, salut YouTube. N'oubliez pas, dites bonjour à YouTube. Alors s'il y a des affaires sur la route, je vais aller les faire quand même. Et si jamais je tombe par hasard sur mon abeille d'or, c'est le bonheur. Ah oui, il faut aussi, si jamais quelqu'un entend pouic pouic, d'accord. Si jamais quelqu'un entend pouic pouic, il faut le dire, hein. C'est super important. Ah mais j'ai deux flacons vides. Attends, donne-moi ça. Faut y aller quand tu veux en titan, tout temps. Olivia qui nous garnit de ses belles blagues. Alors voici un pouic pouic. Ah, donc là, Twitch, vous entendez pouic pouic. Faut dire pouic pouic dans le chat, parce que là, on a le pouic pouic, il est ici. Voilà, pouic pouic. Et il y en a 100. Il y en a 100, j'en ai 25. Et je peux voir combien il m'en manque dans chaque zone. Voilà, pouic pouic. Donc si jamais vous entendez, si jamais vous l'entendez, il faut me le dire, parce que moi, j'entends pas très bien. Ça c'est un portail, on va le laisser tranquille. Ah, ici. Ça c'est la petite quête. Ah, merci Sony Link. Donc là par exemple, il me faut les moufles du titan. Je ne peux pas soulever ces grosses roches tout seul. Eh oui. Donc pour aller dans le barrage, là il me faudrait mes Titan Smith. Donc on va aller les chercher. On va les chercher, elles sont dans le palais du désert là, donc on va y aller. Pouic pouic, j'entends pouic pouic. C'est bon, je les entends, hein. ça rend parano hein, ces conneries. Il suffit juste de trouver où il est caché. Pouic pouic. Ils ont pris la map et rien ne se passe. Pas exactement, en fait le truc d'Olivia c'est qu'au début, quand tu fais le début du jeu, oui, tu te dis c'est Link to the Past, on se fout de ma gueule. Les donjons sont différents, cependant, et une fois que tu arrives dans l'Orule, l'Orule a quand même pas mal de différences, tu vas voir après. Pour l'instant, tu vas dire, on se fout de ma gueule, c'est pareil, mais tu vas voir. Donc déjà, on peut aller dans les murs. Voilà, énorme différence. Quick, quick. Et on peut emprunter les objets, on ne les a pas dans les donjons. Il y a beaucoup de trous dans l'Orule. Oh, le pouic pouic, il va être dans une des roches. Il va être dans une grosse roche, je vais être deg, je vais pouvoir le faire. Oh, il est là, je pense qu'il est là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais esquiver ça. Et je vais appliquer. Hop. Un petit repère. C'est 3DS, je suis sur 3DS. Là, on n'est pas en 3D parce qu'on est sur émulateur. Mais. Ah, ça, c'est une fée qui me restaure. J'en ai pas très besoin. Comme dans le jeu de base. Hein. Tu vas voir, là, on va arriver dans le Dark World. Et tu vas voir que c'est assez différent. Hero Link. Donc, Hilda, c'est la princesse de l'Orule. En gros, elle nous a envoyé chercher les sages. Parce que Yuga. Il a fusionné avec Ganon. Donc Yuga étant le Ganon, entre guillemets, le méchant de l'Orule. Les deux ont fusionné ensemble. Et donc, eh bien, ils sont dans le château. Et il y a une barrière autour du château. Et pour la casser, il faut les 7 sages. Enfin, c'est comme dans Link to the Past. Hein. Hero Link, ce désert est une terre où la vie n'a pas sa place. Tu y trouveras un palais. Allô, Hilda. Exactement, Olivia. Allô, j'écoute. Un sage doit sûrement t'y attendre. Je sens ce mystérieux pouvoir propre au sage. Si jamais j'avais un filtre audio, j'aurais fait un filtre de téléphone. Attendez.
Voilà. Tu auras besoin d'un objet qui te permette de contrôler le sable. Exactement. Allô, c'est moi, Ida. Et voilà. Voilà le Dark World. Oh. Le chasseur, ah oui. Il faut maîtriser le sable et le vent. Je devrais pouvoir. Donc ici, il va falloir réfléchir. Donc il faut maîtriser le sable. Oh, il faut racheter la baguette. L'autre con, il me l'a piqué. Eh bien, nous repartons. Mais nous allons d'abord débloquer l'oiseau, parce que je refuse de faire refaire tout ce chemin de merde. Oh, il y a un peu de clic. J'étais jusqu'à se transformer en monstre. Monchala. Évidemment. Ah oui, on a un bouclier, hein, d'ailleurs. On a un bouclier, rassurez-vous. Alors, si jamais... Salut, Nerelia. J'ai raté beaucoup? Non, je viens de commencer. Alors, si jamais je trouve... Ouais, une girouette, excellent. La girouette va me permettre de voyager. Non. Fil d'harmonique. Au secours. Servez-moi, s'il vous plaît. Allez, plus quick. Donc, voici le marais. Le marais maudit. Le marais mauvais. Oh, il y a un quart de cœur ici. On va faire attention. Être vigilant. Alors, si jamais vous entendez plus quick, hein, vous me le dites. Oh, t'inquiète, Mini, t'inquiète. Donc là, il me faudra la baguette des sables pour continuer, de façon. Spoiler, ouais, je peux pas continuer là. Il va falloir que je rechange de monde. Ah, non, Sonic, ne spoil pas. Non, mais je suis retourné dans le Dark World. Ça change de te voir pas galérer au jeu. Parce que je galère dans Breath of the Wild. Je suis allé dans le mauvais sens. Abrutix. Voilà. Ah oui, je galère. Sérieux? Ça se peut. Donc là, il va falloir que... Donc là, on est dans le désert. Ouch. Alors, je cherche les pukpuik. Si jamais quelqu'un voit les pukpuik, vous me le dites. Si jamais vous voyez un pukpuik, vous me le dites. Vous me le dites. Même si, je pense que sans la baguette des sables, je fais rien ici. Pukpuik. J'ai tout entendu. J'ai tout entendu. Oh, pukpuik. Ah oui, je l'entends. Alors, je les farme pas forcément, c'est juste que dès qu'il y en a un, je me dis, allez, vas-y, on va y aller. Putain, il n'y a pas de... Ah, il n'y a pas d'oiseau. Pas d'oiseau pour me téléporter plus vite. Quelle vie de merde. Ça va, vous, sinon, le machin? Ah, il me faudra la baguette, ici. Bon, ce qu'on va prendre, c'est qu'on va prendre la cloche. N'oublie pas la cloche, YouTube, hein, d'ailleurs. Parce que je me suis dit qu'on va faire un donjon par épisode, au lieu d'en faire deux, comme la dernière fois. Donc je me dis qu'on va plus se focus sur l'exploration, forcément. Allez, viens. Si je pouvais acheter cette baguette aussi, ce serait vraiment génial. Mais j'y crois pas. Donc Olivia, c'est ici. Voilà, oui, je l'utilise. Oui, je l'utilise tout le temps. Oh. 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 Ouais. Ouais. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. Ouais, j'ai tout compris. Ouais. Au revoir. Je veux ça. Alors, pour l'emprunter, donc là, j'explique à Olivia. Emprunter, ça veut dire qu'on peut l'avoir, mais si on meurt, on n'aura plus. Si on l'achète, on l'a pour toujours. Je vais l'acheter. Ah ouais, je la veux, je la veux. Parce que de toute façon, j'achèterai tous les items du jeu ou dans le monde. Donc. Faudrait aussi que je prenne le grappin un jour. Hein. On dirait un PNJ raté au casting. Oh, c'est pas très gentil pour l'avio, ça. C'est pas très gentil. Franchement, l'avio, là, l'avio est en pleurs. Hein. L'avio, l'avioli, tout ça, tout ce que tu veux. Si t'as une blague sur l'avio, je suis preneur, hein, Olivia. Pas de problème. Hein. Merde, c'était pas la baguette que j'avais en main.
Allez, la cloche de YouTube. On y retourne. Sûrement déjà faite. Ah bah, épate-nous. La dernière fois, on cherchait des jeux de mots sur ERA. Genre éradiquer, érate pas ça. Je sais plus en fait. Sûrement de quoi là-dedans? Un vêtement vachement délavé. J'ai pas tout compris. Je vais avouer que j'ai pas tout compris. Je suis confus. Je suis confus sur cette blague. Bon, qu'est-ce qu'il y a ici? À part de tourner autour d'un machin de merde. Ça sert à quoi? À rien. Waouh, c'est franchement utile pour 10 rubis. Énorme. La vie au public. Mon dieu. Tuez-moi. La baguette des sables. Donc regardez, regardez la baguette des sables. Paf! Eh ouais, c'est incroyable. Ah bah voilà! Extraordinaire! Extraordinaire! Voilà ce qu'il me fallait. Ah, il y a la planque de l'autre fois là. Ah, il faudrait que j'y retourne un jour. Hein. C'est pas ça, c'est ça. Là, regardez comment on peut y aller. Oh, l'arc. La flèche reste. Allez, allons dans le palais. Allons dans ce palais de merde. Oui, en effet. Bien observé. C'est ça. Paf! Voilà, j'utilise mon bouclier. J'ai utilisé mon bouclier. Voilà, il faut savoir utiliser ces choses avec soin. Ah, tu es trop fort. Tu es trop habile. Il me faudra autre chose qui fasse plus mal. Voilà, c'est mieux. Pouic pouic. J'entends le pouic pouic. J'entends tout, hein. Si jamais... Oh! Oh, il est dans l'eau. Oh non. Oh, faudrait que je rate tout. Oh non, je refuse. Je refuse, mais je le marque. Je le marque. Voilà, je le mets ici. Hein. Je le mets ici, comptez sur moi, je ne l'oublierai pas. C'est pas ça. C'est pas ça. J'aurais peut-être dû l'upgrade, cet item de mort, avant. Va plus loin, tant qu'à faire. Allons plus loin, voyons voir s'il y a des choses. Et merde, tout ça pour de la bite. Jette-toi la vie, allô. Ah, un truc. Alors ici. Eh oui. Forcément qu'il y a quelque chose. Se jeter à l'eau. Jetons-nous à l'eau. Le palais du désert. Travailler dans le désert. Depuis trop longtemps. Pardon. Ok, nice, on y est. On y est. Il y a combien de tigorneaux là-dedans d'ailleurs? Un. Ok. Allez, c'est parti pour le donjon. Le palais du désert. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Attention. Regarde, regarde à quel point c'est différent de Link to the Past, Olivia. Tu n'es pas prête. Ah bah, je m'attendais pas à ça non plus d'ailleurs. Le donjon. En fait, que je perds un petit peu de vie, moi, en fait. Ah, il est tombé. Lol, mais je pensais que moi, si je pouvais marcher dessus. L'argent est très important dans le jeu, d'ailleurs, pour acheter les choses. Surtout acheter des objets, quoi, chez la Vio, hein, bien sûr, c'est la vie. Hein. La Vio, c'est la vie. Ah bah, en plus, j'ai la baguette, donc je peux les... je peux les emmerder à l'infini, ces ennemis. Ça, c'est bien. Ok. On va y voir ce donjon. Alors, on a déjà la carte d'entrée, oui, tout à fait. Un Bimos! Fun fact, ça va être canard en premier dans les jeux de DS. Spirit Trax. Spirit Trax, Nerilia. Mais en effet, tu as raison. Pardon? Ah, d'accord. Ah, mais du coup, j'étais... Ah oui, mais de toute façon, j'avais pas trop le choix de me planter.
Incroyable énigme, bien sûr. Digne des plus grands casse-têtes du monde. Donc il n'y a pas de Tigorneau dans les donjons par contre. Des ingrédients. Très utiles les ingrédients. C'est incroyable du cul. Eh oui. Tu mènes tout le monde à la baguette. Exactement. Exactement. Donc là, il va falloir utiliser notre cerveau. Est-ce que vous êtes prêts à utiliser le cerveau? D'ailleurs, je sais plus ce qu'elle fait, l'upgrade de la baguette, si quelqu'un l'a. Donc, un truc. Le deuxième va être en haut. Et le troisième va être ici. Donc, pour le troisième, ce que je vais faire, c'est tout simple. C'est que je vais aller ici. Et je vais le lever. Le cerf, quoi? Le cerveau. Et voilà. De l'intelligence. Ah là. Je sens que cet épisode va être lourd. Pardon YouTube. Je suis revenu au début. Parce que ça va lui à la peine de faire quelque chose. Attendez, attendez, attendez. Il doit sûrement y avoir une utilité. Voilà. Exactement. Oh, mini boss. Il y a un truc dans le sable. Il y a un truc dans le sable. Sors. Sors du sable. Oh, c'est un Poki. Et il est mort. D'accord. Ok. La baguette des vents aussi vient de Opus Dei. Oui, tout à fait, dans le temple de la forêt, oui. C'est Spirit Tracks hein, qui fait tout ça. Comment je vais faire sans les moufles du titan? Ah! Donnez-moi de la vie, bordel de cul. Give me life. D'ailleurs, cette baguette de base, baguette de feu, j'ai jamais su ce qu'elle faisait parce que j'ai toujours upgrade très vite. Sachant que c'était totalement pété. Je pensais que c'était là, que c'était gare. Spirit Tracks Underway. Merde. Et voilà ce qui se passe quand on regarde le chat. Du coup, c'était la catastrophe, hein. Il y a clairement quelque chose ici. La boussole, incroyable. Donc ce donjon d'ailleurs c'est le seul à être dans le Light World pour faire les tableaux. Parce que dans le Lorule, c'est juste une arène de combat. Comme l'a si bien dit Sony Link. Ah oui, ça c'est bien. Je voulais juste passer. La clé. Ouais, je pourrais passer ici si je le voulais. Mais ça me servira. Ah, ça me sert à avoir ça, oui. Évidemment. Parce que le but. De toute façon. Quand. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. La tour de l'escarmouche, bien sûr. Comment l'oublier? Merci. Dommage que j'ai pas le grappin. Le donjon était dans le live de Link to the Past, oui. Le donjon descend pour les intimes. C'est bien joli tout ça, mais. Ah oui, bah oui, j'ai la porte fermée à la clé, petit con. J'ai un petit peu bourré. Hein. Tout va bien. Est-ce que je pourrais avoir les moufles, s'il vous plaît, un jour? Au plus vite. Vous voyez le coffre là-bas? Les moufles du titan. Elles sont à moi, bientôt. Bien, merci beaucoup. Bien, c'est bien, la tour de Yann 100 fois en 12 heures. Quoi? Mais pourquoi? Pour qui voudrait faire ça? Qui aurait envie de faire ça?
Elles sont à moi. Les moufles du titan. Vous pouvez désormais soulever d'énormes rochers. Et ouais. Extraordinaire. Bon, bah, on peut se barrer. Hein. Barrons-nous. Si quelqu'un a des cœurs. Si quelqu'un avait des cœurs, éventuellement, s'il y a des cœurs dans le jeu, je suis preneur. Si on peut avoir des cœurs dans ce putain de jeu un jour, c'est pas dérangeant, voyez-vous. Si, j'imagine. On est quand même au début de donjon, ça m'impressionne qu'il donne même pas de cœur, quoi. Au début de donjon, il n'y a pas de cœur, le jeu ne donne rien. Notre bouffe. De toute façon, c'est pour la clé, donc on n'a pas trop le choix. Formidable. Des choses là-dessus. De la lave. Ok. Extraordinaire. Donc là, cette pièce veut dire utilise l'item. Ah mon dieu, enfin. Enfin. J'y croyais plus. Bon. Pouic-pouic. Pas de pouic-pouic. Je suis très déçu. Par contre, on pourrait aller là-haut. Ça peut être intéressant. Allons-y, continuons le donjon. Parce que le donjon n'est pas fini. Pose Ariwak. Quoique. En fait, c'est pas très. Incroyable. Le cœur. Oui, c'est bon. Ce jeu ressemble beaucoup à Sonic the Past. Ouais, je suis pas très sûr. Il y a quand même pas mal de différences. Évidemment. Je pensais pas que je pouvais les toucher, c'est quoi? À la base, il y a un truc là. Oh, il y a un truc là. Oh oui. Incroyable énigme. Ça va à quel point j'aime l'argent, hein, donc je prends tout l'argent qui passe. Hein. Vous le savez. Que de monstre. Tu repasses par dehors comme dans le journal. Oui, c'est vrai. Mais à part ça, l'intérieur. Voilà quoi. Ça va, Olivia? Réflexe. Qui n'aime pas l'argent? Alors là, par contre, là, le jeu te dit, écoute, prends 100 rubis, fais pas chier. C'est littéralement ce que le jeu vous dit. Y a quelque chose ici. Faudrait vider ce sable, je pense. Hein? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Oh, mais c'est l'orchestration du donjon de Dark World. Encore? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un piège, d'accord. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un piège. Un cornet de monstre. Il est évident que ça va servir quelque part. Mais ouf. C'est là la grande question, Jean-Pierre. Ça sert ouf. Là, je peux bien l'amener, moi, le machin, hein, mais... Au final, où sert-il? Je peux pas faire ça tout... Ouh, ça, c'est bien. Ok, j'ai tout compris.
Ah non, j'ai rien compris. Au secours. Aidez-moi. Aidez-moi. Comment que j'aille avec le mur? On est d'accord, hein, on est d'accord que ça marche pas. J'ai cru. Là-haut. D'ailleurs, pourquoi ça le fait maintenant ça... Ah, parce que j'ai tiré la statue. C'est malin. Ok, bah parfait, hein. Allons ici. Sans grande conviction. Prenons le coffre. Encore de l'argent, hein. Parfait. Incroyable ce jeu. Incroyable à quel point les devs voulaient qu'on soit riche. Hein. Pas du tout. Je pense pas que ça marche, hein, mais on sait jamais. Je pense qu'il va falloir que j'aille amener des... Ah oui, il y a des bouboules. Il y a des bouboules. Ah oui, il y a de la bouboule. Il y a de la bouboule. C'est extraordinaire tout ça en tout cas. Ça marche vraiment bien. La bouboule. La boule magique. Et merde. Vite, casse-toi. La boule magique. Viens ici, la boule magique. Allez, viens. Coucou, que j'ai... Connard. Et paf! Riche et achetant beaucoup de choses, bah évidemment. Tant qu'à être riche, autant acheter des choses avec l'argent. Autant en profiter. Bon. Il y a une porte ici. Oui. On les aura tous fait, ces coffres de merde. Hein. On les aura tous fait. On va dépasser les mules rubis à nouveau. Comment je fais pour... Ouais, pour ça c'est facile, mais... À quoi ça sert en soi? À quoi ça me sert dans la vie? C'est bien génial, mais en soi... Comment je vais pour aller là-haut? Attends, comment j'ai fait à la base sans passer par les... Le truc, c'est reset. Et j'en suis pas rendu compte. Putain, j'ai fait l'énigme sans m'en rendre compte. C'est extraordinaire, j'ai rien compris. J'ai fait l'énigme, c'est ce qui compte. Eh non, AD, on n'a pas encore fini, AD. On n'a pas encore fini. Et en plus, il n'y a même pas de RA dans ce jeu-là. Je fais vraiment beaucoup d'avance, hein, je suis généreux. Hein. Bon bah ça c'est là. Évidemment. Ça c'est là. Évidemment. Et ça c'est là. Extraordinaire ce jeu. Tout ça pour la clé. Ouais, la grosse clé. Ah, formidable. Je voulais pas forcément faire ça, mais. Des faits, bien sûr. Tout smart pour le jeu, ce Zelda. Yes. Big brain. Big brain, mais c'est là, il y a un escalier. J'y crois, oui, voilà. Bon, là, cette porte fermée à clé, qu'est-ce qu'elle dit? Oh, putain, le jeu qui... Le jeu qui ne garde pas les bottes quand on change de pièce, c'est extraordinaire. Et salut AD, comment tu vas au passage? J'espère que tu... Ça marche pas. Parce qu'il est en hauteur. Ah oh bah attends. J'ai bien fait d'avoir cette baguette de feu. Hein. Je vous dis. Baguette de feu, c'est la vie. Parfait. Active ça. Vas-y, active-les. Tac. Tac. Et tac. Extraordinaire. Big brain. Big brain à nouveau. Il est impressionnant. Et ici, on a un mini-boss. Il est petit. Ah, pas de Poki. Pas déçu. Pas de Poki. Pas de Poki. Oh, j'ai eu un Poki. Ah, de la merde.
Merci à toi. C'est tout, y a pas de Poki? Cette déception. Une heure de home party, j'ai perdu parce qu'on jouait avec un seul doigt. Très bonne idée. Bah oui. Regarde Nini. C'est de l'épée de speedrunner. Moi quand j'agresse un monstre, ouais, je suis comme ça sur lui. Je veux pas qu'il s'échappe quoi. Et il réussit encore à s'échapper. Ouais ça va, il bouge même pas, c'est pas Link to the Past, c'est de la merde. Tu lui fais 25 à la seconde. Oh, n'exagérez pas. Et voilà, c'est fini en fait. Putain, en parlant, on a fini le donjon. Ah non, c'est pas fini. J'ai rien dit. Y'a rien là-dedans? Non. Une pièce. Tête, je veux d'abord le trésor. Je l'ai sans rubis là. Je l'ai sans rubis. Évidemment. Voilà. Prévisible est le mot, hein, si jamais vous le cherchez. Le machin va partir. Je le savais. On retourne à la case départ. Bah, je pense que j'ai tout pris en tout cas, mais j'ai pas fini encore. Oh, ça respawn. Au pire, ça me fait chier. Et il existe un monde où je passe juste derrière les statues. C'est pas ça qu'il faut faire. Incroyable, un speedrun, incroyable speedrun. Non mais... Arrête! Ça a des chances de devenir la miniature. Hein. Ah là, bordel! Pas si dur ce jeu de merde! Par contre, je fais quoi ici? Je fais tout ça, mais je dois ramener du sable. Je dois ramener du sable, c'est évident. Et pour ramener le sable, il faut ouvrir la porte ici. Et on va pouvoir ramener le sable là. Il y aura une énigme avec des bombes, parce qu'on n'a pas de bombes. Au secours! Quoi? Attends, tu vas me dire que la bombe pète ça? Viens là, viens. Allez, viens. Tu vas me dire que la bombe pète ce truc? Mais pourquoi tout à l'heure ça va pas marcher? Mais ma bombe va pas marcher. Ma bombe va pas marcher tout à l'heure? Contre les machins? Mais ça n'a aucun sens. Tout à l'heure ça n'a pas marché? Quand je l'ai... Ou bien ça a marché, je m'en suis pas rendu compte et c'est pour ça que j'ai brain l'énigme sans m'en rendre compte tout à l'heure. Oh mon dieu. Bon là, évidemment. Mais non, mais... Voilà, merci. Allez. Oh, dis-moi. Ouais. C'est bon, tout va bien. Donc là, j'active les blocs. Parfait. Donc tout à l'heure j'ai brain l'énigme sans m'en rendre compte, c'est ça qui s'est passé vous allez me dire, vu que j'ai fait une bombe et ça a marché. Alors que je pensais pas que ça marcherait. C'est vraiment incroyable. Quoi ici? De la merde? Apparemment tout le monde s'en fout, j'ai compris. Il y a un truc ici. Je cherche le levier. Je cherche le sens de cette pièce en fait. Il doit y avoir une solution quelque part. Parce que... Ah mais c'est là. La porte. Et la porte. La porte. L'esprit brillant. N'oubliez pas. Hein. Tu
Je peux pas aller dans le... Pourquoi je peux pas aller dans le mur? Pourquoi? Pourquoi je peux pas aller dans le mur, monsieur l'arbitre? Pourquoi je peux pas aller dans le mur? Pourquoi? Pourquoi je peux pas aller dans le mur? Parce qu'il y avait pas besoin. Mais c'est un peu con alors qu'on pouvait pas aller dans le mur. J'aurais voulu y aller, moi, dans le mur. Insupportable. C'est bon, on y est arrivé. Nous y sommes. Dans aucune douleur. Merde. Oh, il y a plein de choses que j'ai ratées. Oh, il me manque un pouic-pouic. Hein. Je suis pas content. Je suis pas content, il me manque un pouic-pouic. Il va falloir chercher. Hein. Nous y sommes. Il manque deux. Alors je sais qu'il y en a un que j'ai déjà vu, mais l'autre, c'est comme point d'interrogation. Point d'interrogation. Ok, ça sera avec la bombe. Ça, ce sera de la bite. Allez, il est temps d'affronter le boss. Le boss. Manandla. Pas du tout en fait. Comment j'affronte ce boss? Ah oui, c'est vrai qu'on a le gré de la baguette, c'est bien mieux. Parce qu'on peut juste voyager plus vite. Je vais tomber. Attends, y a pas un monde où t'aimes pas la baguette de feu par hasard? Vu que t'es une plante. On est dans Pokémon, hein. Boss original. C'est vrai qu'il est très original. C'est pas un boss repompé de Link to the Past pour une fois. C'est un pillage géant. Arrête de confondre tes touches, c'est insupportable. Passe en phase 2. Déjà. Tu es très laid. Non, arrête, arrête. Par pitié, arrête. Arrête de faire la baguette de feu, putain. Faut arrêter, faut vraiment que j'intervertisse les touches. Hein. Ah, trop tard. Merci, mais j'apprécie. C'est très apprécié. Mais il va crever, il devrait mourir au bout d'un moment, il clignote, ça veut dire qu'il va mourir. Quand il clignote, c'est qu'il va mourir. Il lui reste un PV, tu vas voir, il lui reste un PV. C'était moi, ça. J'ai des fées. Et là, vous allez voir, je vais faire un coup d'épée et il va mourir. Je déteste ma fille. Un coup. Au revoir. Quand on aura une meilleure épée, ce sera plus un problème. On aura bientôt une meilleure épée d'ailleurs. On aura bientôt une meilleure épée. Ah, Link! Je savais que j'avais raison de croire à la prédiction du 10 heures de bonne aventure. On peut dire que tu as pas mis le temps. T'es gonflé de m'avoir fait attendre aussi longtemps. T'es la troisième sur 7, hein, je te signale, sois heureuse. Tu croyais peut-être que j'avais que ça à faire de rester coincé dans ce fichu tableau? Bah c'est pas grave, je vais te pardonner pour cette fois-ci. Et la plus important, tu dois absolument sauver les autres sages. Oui, car cette sorcière, Aeline, est un sage. La liste des sages trouvée au pif, la liste des sages Cdiscount de Beaten Worlds continue. C'est vrai? Bah j'ai déjà fait Thief Stand et j'ai déjà eu un fragment de un minerai, un Irelia.
Parce que là, on commence à avoir des sages au pif. Parce que bon, Asphar, c'est entendu que c'est un descendant. Impa, je veux bien. Mais là, Aelin, bon, ça commence à devenir un petit peu bizarre, cette liste de sages. Et encore, c'est pas la pire, exactement. Il y a bien pire que ça, Sonic Link. Il y a même le pire. Que de vous faire une pause? Mais oui, YouTube. Si on faisait une pause, YouTube. En tout cas, j'ai les moufles du titan à présent. Et ça, c'est bien. On va aller chercher ça. El Puig Puico. C'est vrai que Aline, c'est chelou. Pas grave. Si jamais vous entendez un Puig Puig, vous me le dites. Hein. D'ailleurs, je vais pouvoir enlever ça. Est-ce que ça peut s'enlever direct? Ah, je peux les mettre de couleurs différentes? Quel intérêt! Mais quel intérêt! Bordel de cul! Alors, cherchons dans le désert, on n'a pas fini YouTube. Ce n'est pas fini YouTube, ne partez pas tout de suite. Il faut chercher nos Puig-Puig. Il faut chercher nos Puig-Puig, c'est très important. Arrête, arrête. Putain, j'aurais dû vraiment mettre cette putain de baguette sur Y. C'est quoi? Voilà, va sur Y, hein. Arrête de faire chier les gens. Extraordinaire. Je vais prendre mon quart de cœur, moi. Mais je voulais d'abord voir s'il y avait un truc là-bas. Maintenant, je peux y aller comme je veux à la fissure, moi. Et maintenant, je vais confondre cette putain de touche. Ça y est. Et maintenant, je vais faire les putains de bombes en premier à chaque fois. J'en ai marre de ma vie. Oh non. Non. Il n'y a rien d'important. Oh, il y a des choses là. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Eh oh. Tu sais pas sauter, Link. Tu sais pas sauter. Tu pues bien la merde. Ah, et je suis trop bas. D'accord, je pensais qu'on pouvait y aller tout de suite. Pas grave. T'as vivement aussi qu'on ait une plus longue allonge de magie, là. Je veux des upgrades. C'est bon. Au bout d'un moment. Allez, encore un. Courage. Puig-Puig. Puig-Puig une commune. Ça fait de la merde. Est-ce que j'ai de quoi là-bas? Est-ce que j'ai des fissures cachées? Ça m'a l'air d'être de la merde. Bien joué. C'est un open world techniquement. Eh oui. Eh oui, c'est un open world. Techniquement, une fois que t'arrives dans l'Orulse, tu peux aller où tu veux. Sauf quand t'as pas la putain de baguette des sables. Et la première fois que j'ai fait ce jeu, j'ai fait le putain de Tistorn en dernier. Donc j'ai jamais pu faire Desert Palace. C'est triste que le seul item qui était obligatoire et progressif quelque part, je l'avais pas. Pikachu. Arrête. Bon, alors, il est où mon Tigorneau? Alors, à mon avis, le Tigorneau, il est là. Bon. Mais il m'en manque un dans le Dark World. On est d'accord qu'il m'en manque un dans le Dark World. Et ça, c'est intolérable. Donc, je veux le Puig-Puig. Si vous entendez Puig-Puig... Je suis sûr qu'il est là-haut, là. Ah non, c'est l'arène du boss. On peut pas être dans le boss, quand même, le Puig-Puig. Ce serait un petit peu ridicule. On va aller là. Si quelqu'un trouve le Puig-Puig, hein, dites-le moi. De la merde. Donc désert, celui qui me manque, c'est celui que j'ai marqué. Donc je sais que j'ai pu la chercher, je voulais juste voir comment elle est en bas là. Ça m'intriguait. Il y a cette grotte là qui m'intrigue. En vrai, oui. Mon dieu. J'essaie de voir si tu veux pas venir ici.
Ça, c'est de la bite, un petit peu, hein, quand même, faut l'avouer. Ah, c'est quoi ça? C'est quoi cet endroit? Attends, est-ce que je peux... Ah non, mais c'est juste la suite. C'est la suite logique que j'ai déjà faite. Et ce bord-là, t'as de quoi? Non. Est-ce que je peux rechanger de monde là-dedans? Non, hein. Je peux jamais rechanger de monde. Waouh! Merci Lady. Pour le host, hein, c'est un raid, mais Stream Element dit que c'est un host. Salut Café Nico, salut le comte, salut Lady. Est-ce que je check à l'entrée? À l'entrée du palais? Ah, ça. J'en ai marre de me tromper de touche à chaque fois. Où il y a le mec chelou dans une toile. Oui, je sais! Ah oui, mais... Non, parce qu'attends. Là, c'est... C'est là. Mais dans le Dark World, je sais pas, il est où? Parce que il me semble que la zone Dark World, c'est juste un petit carré de merde. C'est pas le truc en entier. À moins que je me trompe... Oh, faut quand même faire la route jusqu'ici. Insupportable. Ça va, Lady? As-tu passé un bon stream? Ici, on cherche les Tigornos. On a fini le donjon, mais on veut les Pickwick. Non mais du coup pour changer de monde c'est un plan cul, il faut que j'aille là-haut obligatoirement. Le chemin va être long. T'as eu de la misère à suivre le raid? Comment ça? Comment ça de la misère à suivre le raid? Que veux-tu dire? Il est bien dans le donjon. De quoi, le Tigorno? Non, il n'y a pas de Tigorno dans les donjons, c'est impossible. C'est un nom très très doux. C'est vrai que c'est un nom très très doux. Des petits cœurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire avoir eu... quand t'as eu de la misère? Il est à l'entrée. Il est à l'entrée? Non, il est à l'entrée. Attends, à l'entrée. Mais non, Light World, il m'en reste un seul. Et je l'ai vu, je l'ai déjà entendu. Ça. Oh, c'est les Assommes. C'est génial ce jeu. Et combien de filles? Bah, on a le comte, on a Lady, on a Café Ineco. Majoritairement, c'est vrai que Enirelia aussi, bien sûr. Oui, c'était un... Oui, tout à fait. C'est très masculin, Café Ineco. Merde. Je suis désolé. Merde. Et tout ce charme de Zelda, bien évidemment. C'est incroyable. Bon, on va voir côté Dark World d'ici ce qu'on a. Vous êtes même majoritaire, oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a plus de filles ici. Eh ouais, Son et Link, fais attention. Quick. Ouais, mais non, si ça avait été la reine de boss, ça aurait été. Ça aurait eu un sens, mais là, ça n'en a aucun. Oh, quelle vie de merde. Cassons-nous. Ah, je reviens ici en plus. Bah, c'est génial. Oh, tant de love! Mais tant de love dans ce chat! C'est incroyable! Je refuse de me refaire le chemin, par contre. Attendez. Chez moi! C'est moi, Eileen! Ça t'épate? J'étais enfermé dans un tableau, je pouvais parler à personne, c'était d'un ennui! Sans toi, j'y serai encore, merci! Tu vois que je suis un salaud? On n'arrive toujours pas à y croire nous-mêmes, hein, t'inquiète, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais, ta gueule. Vague de love pour Zelda. J'ai enfin ces putains de moufles. Hein? Quel est ce coffre buggé? Non mais je veux pas aller dans le début de donjon, je veux aller ici. Et ici je peux pas y aller. Via Light World. Voilà. Donc là il m'en manque... Tu vois j'en ai plus, là c'est bon, tout est bien, tout est correct. Mais quand je vais dans le Light... Non mais l'entrée, oui. Je le savais, Nirelia. Ça je le savais.
Je suis au courant. Ce que je cherche, c'est celui-là. Le... Attendez. J'ai cherché pour rien. Parce que je savais que celui de la étoile était ici. Celui de l'arc, je ne le savais pas. Et il est là aussi. Mais quelle idée de mettre deux Tigorneaux au même endroit, de Light ou Dark. Quelle merde. Pour se détendre, on va faire une énigme. Allez, c'est parti. C'est parti pour l'énigme, le trésor. C'est la chasse au trésor, c'est la nouvelle émission. Ah, nice. J'aurais dû faire ça en premier. Quel... Mais il faut que je fasse ça. Je suis condamné à me faire chier. Je suis condamné à me faire chier pour activer les vents, tout simplement. YouTube, on continue pour YouTube. Là, YouTube, au pire, voilà quoi. Vous en êtes à peine à une à 50 minutes, ça va aller. Je pense pas que vous allez mourir. Extraordinaire. Intelligence incroyable. Ben, salut. Non, YouTube n'est. Non, on est encore. YouTube, oui, ah oui. C'est vrai que YouTube, oui. C'est vrai que t'étais pas là pour les accueillir au début, excuse. Salut YouTube. Passer en coup de vent. Quoi? Ce côté ils allaient tourner en rond. Mais arrêtez, mais calmez-vous. Ah non, il faut faire souffler cela aussi. Mais dans quel monde je suis? Faut que j'aille où? Faut que j'aille ici? S'il faut que je dirais que j'active un truc à l'avance, ça me paraît bien trop facile. Ça paraît simple. Ça paraît terriblement facile, j'ai pas la confiance. Parce que là, on est d'accord que le truc souffle. On est content. Mais le machin, il fait un plan cul ici. Attends. Le vent... Il va m'amener là-bas, là. Donc, dans l'idéal, ce que je fais, c'est que je fais ça. Là, je vais là-bas. Et là, je suis là. 300 rubis. Je suis à bout de souffle. Voilà, vous avez vu Big Brain. Hein? Big Brain. J'ai réussi ton énigme. Pas de chance. Bien. Donc cette énigme, c'est fait. Il y a plusieurs petites énigmes comme ça, des salles au trésor, hein, on va les appeler comme ça. C'est drôle. C'est très drôle dans le jeu, on aime ça. Bon. Retournons chez nous. Merci. JCVD en sûr. Jean-Claude Van Damme, comment ça? Que se passe-t-il? Rien, d'accord. Ok, rien. Du coup, tu nous fais le 100%? Non. Calmez-vous, hein, je ne fais pas le 100%. Sauf peut-être en partie extra, hein, on va se calmer. Il y a le baseball qui va me faire chier. Mais on va voir, on va essayer de faire le plus possible, Mirelia. Comme je te l'ai dit, quand je joue à un jeu, j'aime bien faire les choses dedans. Faire beaucoup de choses. Donc on va essayer de faire le plus possible. C'est ça qu'on va faire. Et oui. Bon. J'ai encore des notifs de ma mère. Voilà. En tout cas, YouTube, on va s'arrêter là. Prochaine fois, YouTube, on va faire un donjon. On sait pas lequel, mais on va voir. On va voir lequel on fait. On va demander à... Pas capable, Nerea. On va demander à Twitch quel donjon ils veulent qu'on fasse. Si vous voulez aussi savoir quel donjon on pourrait faire, YouTube, et que vous n'êtes pas encore sur Twitch, venez sur Twitch. Au revoir YouTube.